Didier Prudhomme dans le quintet de jeudi à Fontainebleau, où Lara va se présenter au départ. Didier, sa rentrée discrète, on s'attendait à une course comme ça. Oui, la jument était au Hara dans l'hiver, elle avait beaucoup souffert, elle était ensuite au pré-entraînement. Elle est venue, elle n'était pas trop mal. Trois semaines avant d'arriver, il paraît qu'elle était vraiment très, très vilaine. Donc là, je trouve qu'elle a vraiment bien évolué. Elle a fait une rentrée correcte sur une piste qui n'est pas faite pour l'avantager et elle finit correctement. Là, maintenant, ses galops sont bons, je la sens très tonique. Elle s'est pas défaite physiquement, elle a pris de la condition, mais dans le bon sens. À cette valeur-là, on est compétitif ? Bon, elle a un peu moins de marge du fait qu'elle avait gagné son grand handicap, mais c'est une jument que j'ai toujours estimée. Elle avait fait une très bonne performance à Cagnes-sur-Mer. Je l'aime bien, je pense qu'elle a appelé à réussir dans un handicap de femelle cette année, de la même façon que... quelques-uns de mes chevaux, il faut qu'ils y recourent et ils vont trouver leur jour dans ce style de combat. Déjà, elle est gagnée dans la quintée, donc on sait qu'elle est capable de réussir dans le type handicap. Voilà. Non, mais je l'aime bien. Après, il ne faut pas que le terrain soit trop ferme. Je pense que c'est une jument de terrain souple. Et voilà, 2002, peut-être un petit poil limite, mais bon... Je pense que d'un autre côté, il faut avoir des chevaux qui sont capables d'être montés assez bien placés à Fontainebleau, donc ça peut compenser.